Salut à tous, c'est Tanto Plémo, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Et quoi de mieux que de commencer l'année avec cette magnifique boîte de la pizzeria de la référence 70 336. Il s'agit d'une boîte promo pack. J'aime d'ailleurs beaucoup les boîtes promo pack puisqu'elles sont très riches en accessoires et elles sont très belles et surtout exclusives. C'est pour ça que j'ai aussi acheté la boîte du glacier, aussi un promo pack. Je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez la pizzeria ou le glacier en premier. Et malheureusement, eh bien le résultat a été 18 votes pour le glacier contre 18 votes pour la pizzeria, donc bah j'ai choisi tout simplement par la plus petite boîte, c'est-à-dire la pizzeria. Pour voir le glacier, il suffit de vous abonner, il apparaîtra dans une semaine, normalement. Ici, on peut vraiment voir qu'il y a beaucoup d'accessoires, ainsi que 4 personnages. C'est une boîte très complète, d'autant plus que c'est assez rare d'avoir des restaurants chez Playmobil. Je vous laisse avec le déballage de la boîte et on se retrouve après. On peut découvrir les 4 personnages fournis dans la boîte. Donc on a un couple de touristes sûrement qui vont dîner à la pizzeria. On a le pizzaiolo et la serveuse qui a d'ailleurs une très belle coupe assez rare chez Playmobil, je ne l'avais qu'en une seule fois. J'aime tout particulièrement le pizzaiolo avec sa moustache qui fait vraiment italien. Et ici, on peut voir tous les accessoires. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Un scooter, des tables avec un gâteau, de la vaisselle, des verres, des meubles, ainsi que le menu où on peut voir les prix, du bon saucisson, la caisse enregistreuse, les couverts assiettes, un gâteau au chocolat, des chaises, le bâton pour prendre les pizzas, et les boîtes à pizza avec une pizza découpée et l'entière est ici. Et voici la pizzeria une fois assemblée. Les 2 clients sont justement en train d'arriver à la pizzeria. La serveuse prépare le couvert avec une bonne pizza. Ici, le pizzaiolo fait cuire les pizzas. Et pour une ambiance plus réaliste, on peut appuyer sur ce bouton et sur celui-là. Il fait un feu de bois et une lumière magnifique. Voilà ce que ça donne sans le flash. Je peux vous dire que dans la vraie vie, c'est magnifique. J'aime particulièrement les détails apportés à la finition du bâtiment, notamment les nombreuses fleurs sur le balcon. On voit ici l'enseigne de la pizzeria. Et au-dessus, on a une terrasse où on peut mettre les tables. Mais moi, j'ai préféré les mettre dehors pour l'instant. On va maintenant pouvoir voir l'intérieur du bâtiment. Ici, on retrouve le pizzaiolo qui coupe du saucisson. Il y a aussi un gâteau aux framboises. Une machine à café avec des tasses, sauce tomate, piment, légumes ainsi que des œufs pour faire les pâtes à pizza et les pizzas, 2 bouteilles. De l'autre côté, on a le plateau à fromage ainsi que les gousses d'ail. Et sur le rebord de la fenêtre, on a la caisse enregistreuse, là où les clients passent commande. Et puis, si vous voulez plutôt manger les pizzas chez vous, vous pouvez les commander car cette pizzeria fait aussi service à emporter. Ça y est, l'unboxing de cette magnifique pizzeria est terminé.
Si vous arrivez comme moi à l'avoir aux alentours de 25-30 euros, c'est une bonne affaire. Après, je trouve que le prix officiel de 50 euros est un petit peu cher. Même si c'est vrai qu'elle est jolie. Mais au moins, quand on l'achète à 25 euros, on n'a aucun remords. Là, je suis totalement satisfait de cette boîte. En particulier grâce à cette magnifique guirlande qui fait toute la différence. Si, comme moi, vous avez aimé cette boîte, je pense que le glacier pourrait vous intéresser. Alors, restez connectés car il arrivera la semaine prochaine. C'était Antoplémo. Allez, ciao !